prions en esprit. Racha karabako rabaka rabasanda rabaku rebedini kie. Mandan zangama rabaka rabasikirebe girebe rabaka rabaka rabadini. Yuku mama zangama rabaka rabasikirebe girebe 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 dini. Mzang zang zangama rabaka rabasikirebe girebe 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 dini. Yorian dan zangama rabaka rabasikirebe girebe rabakia. Yoko yoko yama rabaka rabasikirebe girebe 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 dini. Père céleste, dans le nom de Jésus, nous te rendons notre remerciement. Nous te rendons toute la gloire et la louange. Depuis le jour de ta chair, tu es venu pour susciter pour Dieu de vrais adorateurs, étant donné que ce sont les vrais adorateurs que le Père cherche. Merci d'avoir fait de nous des vrais adorateurs, car nous t'adorons, non pas seulement avec notre intelligence, mais nous t'adorons également avec notre esprit. Nous te disons merci, comme il est écrit que le vrai circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Nous te disons merci. Sois élevé et glorifié parmi ton peuple, Seigneur. Merci pour le service de ce matin, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta pensée que tu cherches à communiquer à ton peuple. Nous te rendons toute la gloire de ce que tu nous rends disponible et attentif à ce que nous allons traiter et surtout nous accorder la bonne compréhension par rapport à ces choses. Dans tout ce que nous sommes en train de dispenser, Dieu, c'est le cher Seigneur. Ce que nous cherchons, c'est de communiquer la compréhension de ta parole à ton peuple, car c'est la compréhension qui libère. Toi, tu as dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Nous pouvons y demeurer dans la mesure où nous la comprenons, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre la parole pour être transformés et que nous puissions marcher d'après les Écritures. Reçois toute la gloire et la louange. Sois venu glorifier dans la vie de ton peuple, aujourd'hui et tellement jamais, et avec beaucoup d'actions de grâce. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen. Pouvons-nous asseoir. Soyez bénis. Nous sommes à notre premier service de dimanche pour le mois de juin. Comme vous le savez, désormais, tous les trois dimanches du mois, ce sont les dimanches d'enseignement biblique. Et c'est le dernier qui est consacré aux actions de grâce. Et pour ce matin, nous allons traiter un sujet. Et le titre est Mon héritage en Jésus-Christ. Mon héritage en Jésus-Christ. Mon héritage en Jésus-Christ. C'est-à-dire un héritage que je n'ai pas reçu ailleurs. Un héritage que je n'ai pas reçu de mes parents, un héritage que je n'ai pas reçu
de ma famille, mais un héritage que j'ai en Jésus-Christ. Donc comprenez que si c'est un héritage en Jésus-Christ, ça doit être un vrai héritage. Mon héritage en Jésus-Christ. Pour bien comprendre cela, les mots clés de ce thème ou titre, c'est « en ». Petit soit-il, c'est le mot clé de ce sujet que nous allons développer. En. La science, tout comme la Bible, définit en comme préposition, préposition, marquant en général la position à l'intérieur d'un espace. La préposition marquant en général la position à l'intérieur d'un espace. C'est ainsi que sur ce petit tableau, vous avez un cercle. Si on peut déplacer cette histoire, essayer d'avancer ça quelque part. Vous avez un cercle. Ce cercle-là, on ne peut pas dessiner Jésus non plus, moi encore Dieu. Mais ça représente Christ, ce cercle. Maintenant, quand on dit « en », ça, ce sont des espaces à l'intérieur. Maintenant, c'est être en Christ. Donc tu es dans Christ, au-dedans de Christ. Tu es en Christ. Donc le fait d'être en Christ, il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme l'héritage que tu as en lui. Mon héritage en Christ. Quand on parle de l'héritage, on peut dire encore des choses qui t'appartiennent ou encore ce que tu as en Christ Jésus. Mon héritage en Christ. Nous avons défini cette préposition comme étant quelque chose qui marque en général la position à l'intérieur d'un espace. Donc tu es en Christ. Tu n'es pas en dehors, mais tu es en Christ. Quels sont l'héritage que tu as en Christ? Nous allons commencer avec la première écriture. Je vous demanderai de lire Luc chapitre 10, verset 19. Nous espérons que tout un chacun de nous vient à l'église avec sa Bible, son cahier et de quoi écrire. Ici, ce n'est pas une église de spectacle non plus, mais nous venons pour apprendre et comprendre la parole de Dieu, tout en sachant que c'est par elle que nous avons la vie, c'est par elle que nous pouvons posséder tout ce dont nous avons besoin. La prédication ne fait grandir personne.
Le fait de programmer ces choses, c'est bien. Mais si ces choses ne te sont pas expliquées, tu ne vas rien comprendre. Et si tu n'as pas la compréhension, il est difficile que tu sois transformé. Tu peux être bourré de connaissances, c'est-à-dire tu n'as que l'information. Mais si tu as la compréhension, là, il y a la différence. Nous lisons ensemble chacun dans la Bible selon sa version, Luc chapitre 10, verset 19. Est-ce que vous avez trouvé la place? Luc chapitre 10, verset 19. Lisons ensemble, une des trois. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Combien de choses ne peuvent pas vous nuire? Quand on dit rien, sauf quoi? Jésus a dit que rien ne peut vous. Quelqu'un d'autre va dire, non, mais cette référence que nous venons de lire, ça ne nous a pas été donné à tous. Jésus a parlé à ses disciples. C'est à lui qu'il a dit que voici le pouvoir d'aller chasser les démons. Est-ce que à nous aussi, Dieu nous a donné le même pouvoir? Je te dirais oui. Étant en lui, tu as également le même pouvoir. Bon, si tu refuses cette référence pour dire que non, pour prétester que non, c'était les disciples, je peux t'en donner une autre qui te prouvera clairement que tu as aussi reçu ces pouvoirs. Je peux réciter cette référence. Je crois que vous en avez la connaissance. Je parle de Jean chapitre 1, versets 12 à 13, que nous dit la Bible. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné quoi? Voilà. Le pouvoir de devenir un. Comme je suis devenu enfant de Dieu, j'ai également le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur quelques puissances. Toute la puissance de quoi? Quand on dit toute la puissance de l'ennemi, la Bible fait allusion à tous les démons, à tous les petits esprits des ténèbres, toute la puissance de l'ennemi. Et quelle est la fin du verset? Combien de choses ne peuvent pas vous nuire? Combien? Répétez, il est écrit. Rien ne peut me nuire. Pourquoi Jésus a dit que rien ne peut te nuire? C'est simplement parce que tu es en lui. Comme je suis en lui, rien ne peut me nuire. Pourquoi rien ne peut me nuire? C'est simplement parce que je suis en lui. Répétez, en lui. L'hypotension. L'hypertension. Ne peuvent pas. Faire quoi? Répétez, cancer. Diabète. Ne peut pas faire quoi? Répétez, mort physique précoce. Ne peut pas. Reviens à toi-même. Ouvre ta bouche, déclare ta situation et dis-lui que toi là, tu ne peux pas me nuire. Je te demande d'ouvrir la bouche et de parler, il ne faut pas me regarder. Ouvre la bouche, parle. Toi là, tu ne peux pas me nuire. Toi là, toi-même, tu sais ce que tu dois dire. Dis-lui que toi là, tu ne peux pas me nuire. Toi là, cite son nom, dis-lui que toi là, tu ne peux pas me nuire. Ce qui a été dit là, autrefois, toi là, tu ne peux pas me nuire. Amen.
Mais pourquoi ces choses ne peuvent pas te nuire? Simplement parce que tu es en qui? Dis, toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut faire quoi? Répétez, toute la puissance de l'ennemi, y compris les sorciers, les grands sorodiongo de la famille. La Bible me dit, il ne peut pas me nuire. Ouvre ta bouche, parle à cet homme-là que tu as toujours craint. Celui-là, il est dangereux. Dis-lui, rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Personne ne peut me nuire. Aucun démon ne peut me nuire. Dis-lui, toi là, tu ne peux pas me nuire. Toi là, tu ne peux pas me nuire. La manière dont tu as été célébré, mais je t'ai dit aujourd'hui que toi là, tu ne peux pas me nuire. Amen. Mais pourquoi toutes ces choses-là ne peuvent pas te nuire? Simplement parce que je suis en lui. Répétez, en lui. Rien. Personne ne peut me nuire. Quelle est la raison? Simplement, je suis en lui. Deuxième écriture. Nous allons vérifier Jean chapitre 10, verset 28. Jean chapitre 10, verset 28. La pensée qu'à partir de ce moment que nous sommes en train de parler, toute la semaine, en commençant par ce moment que nous sommes en train de parler, le vocabulaire qui doit occuper ta tête à partir de maintenant jusqu'à, c'est en lui. En lui. Lui qui? Jésus-Christ. En lui. En lui, Jésus. Rien ne peut me nuire. Pourquoi? Simplement parce que je suis en lui. Le fait d'être en lui, rien ne peut me nuire. Nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 28. Jean chapitre 10, verset 28. Est-ce que vous avez trouvé la place? Nous cherchons à ce que tout le monde ouvre sa Bible à la place pour voir ce qui est écrit. Ce qui est important, bien aimé, c'est ce que dit la parole de Dieu. Jean chapitre 10, verset 28. Ensemble, nous disons, je leur donne la vie éternelle. Quel genre de vie? Et puis, elles ne périront. Et puis, qui parle? Relisons encore la référence. Ces versets, nous pouvons la répartir en trois portions. Partie A, partie B et partie C. Mais comment allons-nous les lire? Nous allons maintenant lire désormais cette référence avec la pensée dans lui. D'accord? Alors, en utilisant en lui, nous allons maintenant lire ces versets ensemble. En lui, j'ai la vie éternelle. En lui, je ne périrai jamais. En lui, personne ne peut me ravir. Personne ne peut te ravir de sa main. Simplement pourquoi je suis. Ne comprenez pas cette expression d'une manière intellectuelle, moins encore académique. Comprends cela sur le plan spirituel. Ce que tu es en Christ Jésus est très, très importante. En lui, tu as la vie éternelle. En lui, tu ne périras jamais. En lui, personne ne peut te ravir de sa main. Le fait simple d'être en lui, c'est la garantie totale sur la terre. Le thème « Mon héritage en Christ »
C'est pour t'aider à marcher la tête haute dans le Seigneur, ne craignant rien. Même si on dit que la personne elle est plus méchante, l'assurance est que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Soyez bénis. Notre troisième référence, nous allons maintenant dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 17, verset 28. 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 Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. En lui, nous avons quoi? Et puis? Et? Bon, on avance. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes ça. Répétez, en lui, je suis sa race. En lui, j'ai la vie. Quel genre de vie? La vie éternelle. Quel cadeau. Comme je vous l'enseigne, ceci confirme même la longévité que cette commission est en train d'enseigner. Pourquoi j'enseigne la longévité en Christ? C'est simplement parce que je suis en lui. En lui, je dois vivre longtemps sur la terre. Et lui m'a déclaré que comme je suis en lui, personne ni sorcier ne peut me ravir de sa main. Je ne périrai point et personne ne peut me ravir de sa main. Quelle assurance et quelle garantie. Alors tu prends en lui, tu peux substituer cela par chaque situation que tu es en train de traverser. En lui, point de maladie. En lui, point d'échec, en lui point de défaite, en lui point de chômage, en lui point d'inquiétude. Bien aimé, je suis en Christ. Qu'est-ce qui peut m'inquiéter? Qu'est-ce qui peut être l'objet des soucis pour ma vie étant en lui? En lui, j'ai la vie, j'ai le mouvement et l'être. Simplement parce que je suis en qui? En Christ. Vous voulez entendre encore? Répétez, en lui, j'ai la liberté. En lui, j'ai la liberté. Comprenez qu'ici, je ne suis pas en train de parler des choses célestes. Non, je te parle des choses terrestres. C'est-à-dire les choses que tu dois expérimenter étant vivant dans cette chair sur la terre. Je ne te parle pas de l'héritage que tu vas hériter au ciel. Je ne te parle d'héritage sur la terre. En tant qu'enfant de Dieu. Répétez, en lui, j'ai la liberté. J'ai la liberté. J'ai la liberté. En tout, en lui, j'ai la liberté. Pourquoi je déclare ma liberté? Simplement parce que je suis en lui. Et qu'est-ce qu'il m'a dit par rapport à cette liberté? Romains chapitre 8, verset 1er. Romains chapitre 1. Ça, c'est un sujet qui vous demande de posséder beaucoup de références bibliques. Comme je venais de le dire tantôt au premier culte, cette expression en lui, vous la trouverez partout dans la Bible. Mais principalement, le devoir que je donne est que, en rentrant chez toi, prends ta Bible, mets-toi quelque part. Lis l'épître de Paul aux Éphésiens. Épître de Paul aux Colossiens, épître de Paul aux Philippiens, et dans chaque chapitre, fais ressortir l'expression en lui, pour que tu voyes quel est ton héritage en qui? En Christ.
Soyez bénis. Si je puis commencer, nous n'allons pas sortir ici. Parce qu'en lui, là, c'est une petite préposition, mais ça a des profondeurs. En lui, Jésus-Christ, nous possédons tout. Là, nous venons de voir qu'en lui, nous avons quoi? La liberté. Mais cette liberté est due à quoi? Nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 1er. Romains chapitre 8, verset 1. En lui, j'ai la liberté. Tu as trouvé la place? Tu dois lire à haute voix. Soyez bénis. Répétez dans le Seigneur. Ce qui est censé me délivrer, ce n'est pas la main d'imposition d'un quelconque pasteur. Ce qui est censé me délivrer, c'est la possession de la parole de Dieu, bien comprise. Dès que tu as la bonne compréhension de la parole de Dieu, ta délivrance est établie. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose la main d'une quelconque personne. Avec la bonne compréhension des Écritures, ta délivrance est là. C'est ce que Christ a enseigné. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Mais pourquoi a dit vous connaîtrez au futur? C'est parce que le temps d'écouter la parole de Dieu est le temps de la comprendre. J'écoute, mais si je n'ai pas la bonne compréhension, je ne serai pas délivré non plus. Mais si j'ai eu la bonne compréhension des choses que j'ai écoutées, cela va faire quoi? Me délivrer. Est-ce que vous comprenez? Alors ici, ne cherche pas, comme tu es venu à la mission, il y a des séances, j'entends quand je vais voir les pasteurs pour qu'ils m'imposent la main par rapport à ma situation. Non, ta délivrance, c'est pendant que je suis en train de t'enseigner la parole de Dieu. Si tu as la bonne compréhension de ces choses, ta délivrance est établie. Est-ce que tu comprends? Je t'ai enseigné, prends ta situation. Prends ta situation. Regarde ce que tu es en qui? En Christ. Quand la situation a dit lui-même, toi là qu'on appelle si c'est hypotension, c'est hypertension, tu ignores une chose. Moi que tu vois là, je suis en lui. Je suis en qui? En Christ. Comme je suis en Christ, tu ne peux rien me faire. Soyez bénis. Répétez, en lui, j'ai la délivrance. En lui, j'ai la liberté. Que nous dit Romains chapitre 8, verset 1. Vous avez trouvé la place? Lisez ensemble dans nos Bibles, une des trois. Il n'y a donc quand? Pourquoi maintenant? Donc, le maintenant dont il est question, c'est le maintenant où je suis en qui? En Christ. Tu dois dire ceci. Maintenant que je suis en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ma vie. Maintenant que je suis en Christ, lorsque j'étais en dehors de Christ, c'est autre chose. Maintenant que je suis en Christ, il n'y a pour moi aucune condamnation. Et répète, maintenant que je suis en Jésus, pour moi, il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucun échec. Il n'y a aucune défaite. Maintenant que je suis en Jésus-Christ. Est-ce que vous savez pourquoi nous déclarons toutes ces choses parce que nous sommes en Christ? Simplement, c'est parce que Christ est celui qui a tout vaincu. Est-ce que tu es condamné? Est-ce que tu as des liens de famille? Pourquoi? Si je déclare ces choses, c'est simplement parce que je suis en qui? En Christ. Mais pourquoi être en Christ, c'est quelque chose qui me donne l'audace de déclarer des choses, qui me donne l'audace d'établir les choses. Qu'est-ce qui me donne cette audace? J'ai dit c'est simplement parce que je suis en qui? En Jésus-Christ. Mais c'est quoi être en Jésus-Christ? Pourquoi être en Jésus-Christ me donne cette audace de déclarer des choses? La bonne nouvelle est que la Bible me dit ceci. Dieu
a déployé sa force en ressuscitant Christ d'entre les morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ce n'est pas tout. Au-dessus de toutes, de combien? De toute domination, virgule, de toute autorité, de toute puissance, ce n'est pas tout, de toute dignité, et ce n'est pas tout, la Bible ajoute, et au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle. Hein? Mais citez-moi les noms qui se nomment dans ce siècle présent par rapport aux forces des ténèbres. Citez-moi tous les noms que vous connaissez par rapport aux forces des ténèbres dans ce siècle présent. Par rapport aux forces des ténèbres. Donc comprenez que les noms de tous les démons qui peuvent exister, les noms de tous les esprits méchants qui peuvent exister, moi je ne peux pas me donner la peine d'aller étudier les noms des démons. Je n'ai pas besoin de connaître les noms des démons non plus. Est-ce que vous savez, on ne peut pas engager un débat de démonologie, ça ne nous engage pas. Vous savez, si tu as la version parole de vie, ou encore Semeur, va vérifier cette référence dans ces Bibles-là. Je parle de Job, chapitre 30, verset 8. Job, chapitre 30, verset 8. Je vous ai donné des versions à vérifier. Louis Segond. La référence est là, mais ce n'est pas bien traduit par rapport aux autres versions. Qui a la version Semeur ici? Ou bien parole de vie? Tous nous avons que lui, c'est bon. On peut projeter ça sur les écrans. Parole de vie, Job chapitre 30, verset 8. Job chapitre 30, verset 8. Vous avez lui, c'est bon? Lisez un peu cette référence en lui, c'est bon. Qu'est-ce qui est écrit? Job chapitre 30, verset 8. Lisez. Hein? Je ne vous entends pas. Être vil et. Et puis? On fait quoi? Mais lisons dans. Je crois, parole. C'est pas d'Arbi ou Semer. Nous lisons. Ces êtres insensés, innommable, avait été chassé hors du pays. Le pays dont la Bible parle fait allusion à la patrie céleste. D'autres versions du Institut français, Louis Segond révisait. La Bible appelle Satan et son arsenal que ce sont des espèces de fous, des êtres innommables, chassés à coups de bâton hors du pays. C'est-à-dire que Satan, comme vous le connaissez là, dans toute sa puissance, s'il a la puissance, je ne sais pas, cette puissance lui a été enlevée. Avec tous les démons, la Bible nous appelle, ce sont des espèces de fous, des êtres innommables. Quand on dit notre être innommable, quelqu'un qu'on ne peut pas donner un nom. Je ne peux pas me donner la peine d'aller étudier les noms des démons. La Bible dit qu'on ne peut pas les nommer non plus, ils n'ont pas de nom. Mais le beau de l'histoire est que Dieu nous a donné le pouvoir de faire quoi? De les chasser. Je n'ai pas besoin de connaître les noms des démons pour les chasser, à moins que le Saint-Esprit m'en révèle. Je ne peux pas me baser sur les démons parce que ça peut, ce sont des êtres innommables, des espèces de fous. Qu'est-ce qui se passe? On dit que tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle. Qui a une telle autorité?
Qui a une telle autorité? Jésus-Christ. Ça, c'est dans Éphésiens 1. Mais lorsque je pars dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, que me dit la Bible me dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste. En dessous ou bien au-dessus? Au-dessus de quoi? Toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle. Hein? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es en Jésus? Tu es en Jésus? Tu es en Jésus? Mais pourquoi tu permets à cette situation-là de rester longtemps dans ton corps? Pourquoi? J'entends même les chrétiens dire, et par moment, ça part, ça revient. Pourquoi ça doit faire des va-et-vient? Répétez, en Jésus. Quand ça part, ça part définitivement. Lorsque ça rentre, ça me trouve en lui. En lui, rien ne peut pénétrer. En lui, rien ne peut entrer. Soyez bénis. Vous savez pourquoi nous devons avoir l'assurance? Parce que nous sommes en Christ. Nous devons avoir l'assurance parce que nous sommes en Christ. Parce que, commençant par Lucifer lui-même, et tous les démons, il n'y a aucun démon qui ignore ce que Christ a réalisé à la croix. La Bible dit que il a dépouillé les autorités. Il a commencé par effacer l'acte dont les ordonnances faisaient quoi? Nous condamner. Il a détruit en les crucifiant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Maintenant, toi, tu es en qui? Est-ce que tu es sûr que tu es en Jésus? Tu es sûr que tu es en Jésus? Même cette réponse-là ne me convainc pas. Est-ce que tu es sûr que tu es en Jésus? Mais qu'est-ce que tu as fait pour être en Jésus? Pour être en Jésus, la question est simple. La Bible dit, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu es en qui? Répétez, je suis en Jésus. Depuis les jours où j'ai confessé de ma propre bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je suis en Jésus. Étant en Jésus, aucun démon de l'enfer ne peut me résister. Étant en Jésus, j'ai l'autorité de chasser, de repousser tout ce qui n'est pas de Jésus dans mon corps, dans ma vie, dans les plans de Dieu pour ma vie, au nom de Jésus-Christ, parce que je suis en Jésus. D'accord. La référence la plus claire, c'est vrai, Romains chapitre 10, verset 9 en parle, mais la référence la plus claire qui montre, qui te montre comment tu es en Jésus-Christ, c'est 1 Jean chapitre 4, verset 15. Que je te demande de lire ensemble avec moi. 1 Jean chapitre 4, verset 15. Je vous dis souvent, tu seras riche dans le domaine spirituel si ta tête est remplie de versets bibliques. Quand tu bouges, ce sont des versets bibliques qui sortent. Là, tu es riche. Comme ce sont les épées de l'esprit, quand tu les lances, il n'y a aucun démon qui peut s'avancer. 1 Jean chapitre 4, verset 15. 1 Jean 4, 15. Est-ce que vous avez trouvé la place? 1 Jean chapitre 4, verset 15. 1 Jean 4, 15. Est-ce que tout le monde a trouvé? Je donne un peu plus de temps parce que j'ai intérêt à ce que
Tous peuvent trouver la place, nous pouvons lire ensemble. 1 Jean chapitre 4, verset 15. Ensemble, nous lisons. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui. J'ai confessé que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu demeure en moi. Moi, je demeure en qui? Répétez, étant en Jésus, j'ai reçu autorité et pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Quand nous parlons des scorpions, nous ne parlons pas des scorpions naturels. Les scorpions sur lesquels nous devons marcher, bien-aimés, ce sont des paroles blessantes qu'on peut nous adresser. Tu entends une parole, ça te blesse comme une épée. Mais nous qui sommes en Jésus, nous avons reçu le pouvoir de marcher, même sur les scorpions, même sur les paroles les plus méchantes qui ont été dites à notre sujet. Nous disons que rien ne peut me. Il n'y a aucune parole qui peut me décourager par rapport à mon engagement à Jésus-Christ. Parce que cette parole a été dite par un tel, ça m'a découragé, ça m'a affaibli. Si je rentre en arrière, c'est parce que celle-ci a dit, ça pouvait venir de tout le monde, mais pas d'un tel. Bien-aimé, tu as reçu le pouvoir de marcher sur le scorpion. Et sur toute la puissance de l'ennemi, la Bible dit que rien ne pourra faire quoi? Est-ce que tu es en Jésus ou bien tu es en dehors de Jésus? Tu es en Jésus? La Bible me dit dans 1 Corinthiens, je vais citer la référence, 5 du 7. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Hein? Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues comment? Nouvelle. Maintenant, toi, tu es en Jésus, bien tu es en dehors de Jésus. Tu es en Jésus-Christ. Bien-aimé, être en Jésus-Christ, c'est un grand héritage. Parce que je possède beaucoup de choses tout en étant en qui? En Jésus-Christ. Répétez, en lui. J'ai tout pleinement. En lui, je puis tout par lui qui me fortifie. En lui, j'ai l'avenir. En lui, j'ai obtenu la rédemption. En lui, j'ai l'assurance. En lui, j'ai la vie. En lui, j'ai le bonheur. En lui, mon avenir est assuré. Pourquoi? Comme lui ne peut jamais échouer et que je suis en lui, rien ne peut me nuire. Est-ce que vous comprenez? Comprenez que nous avons commencé à vous définir la préposition en. C'est-à-dire, je suis dans Christ. Lui, il est là. Moi, je suis dans cet espace en lui. Alors, comme personne ne peut détruire Jésus, et que je suis en lui, qui peut me détruire? Est-ce qu'aujourd'hui, quel genre de mort Christ peut subir? Il a vaincu la mort physique. Il est dans l'éternité. Quel genre de mort peut vaincre Christ? Maintenant que je suis en lui, dis-moi, quel est ce démon de la mort qui peut venir toquer à ma porte? Pour me faire quoi? Soyez bénis. Oh! La prophétie a dit, l'esprit des morts. Oh, l'esprit des morts est en train de me guetter. L'esprit des morts est en train de toquer à ma porte. Quel esprit? Tu es en Jésus, bien tu es en dehors de Jésus. Répétez, étant en lui, l'esprit des morts ne peut jamais toquer à ma porte. Pourquoi? Répétez, il a vaincu la mort. Et quoi encore? Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par... Et répétez, je suis en lui. Ayant vaincu la mort. Aucun démon de l'enfer ne peut pas toquer à ma porte. Bien-aimé, en lui, c'est pour engendrer en toi cette assurance.
tu dois marcher la tête haute. Répétez en lui. Le breuvage mortel ne me fera aucun mal. Tu ne peux pas marcher avec inquiétude. Oh non, dans le cas de mon travail, j'ai été empoisonné. Mais sois heureux et donne gloire au Seigneur. Tout en déclarant, étant en lui, les poisons ne peuvent rien. Mais bien que malheureusement, on apprend qu'il y a des enfants de Dieu qui meurent du poison. Est-ce que tu meurs du poison? Tu es en lui ou bien tu es en dehors de lui? Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Un, ils feront quoi? Deux. Trois. Vous avez sauté. Quatre. Vous voyez, il ne faut pas citer la parole de Dieu en désordre. Quand on vous dit devenir ville mobile, ça dit, j'ai reproduit textuellement point et virgule ce que la Bible dit. Nous revenons dans Marc chapitre 7, verset 17. N'ouvrez pas la Bible. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Deux points. À mon nom. Un. Deux. Trois. Tout ça maintenant c'est dans les trois. Quatre, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Ouvrez maintenant la Bible. Ouvrez maintenant pour voir exactement ce que la Bible dit. Marc chapitre 16, verset 17. Notre richesse, c'est la connaissance de la parole, la connaissance des Écritures. Marc chapitre 16, verset 17. Vous avez trouvé la place. Maintenant, corrige-toi pour savoir si tu avais bien récité ou bien tu avais sauté certaines parties. Nous lisons maintenant dans la Bible, une des trois. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que toi aussi tu as cru? Alors, deux points. On avance. Un. En mon nom. Au nom de qui? Alors. Et puis? Trois. Et puis? Et puis? Donc, quatre miracles. Maintenant, nous revenons dans la Bible. Nous allons lire cette fois-ci ces versets avec la pensée dans lui. Alors, nous allons lire maintenant. 17. Voici les miracles qui accompagneront. Nous pouvons faire ces choses que dans la mesure où nous sommes en lui. Et comme je ne serai pas, je suis en lui. Tout est au présent. Je chasse les démons, je parle de nouvelles langues. Aucun démon ne peut me résister. Soyez bénis. Si c'est le temps de prier, c'est le temps de prier. Si c'est le temps de déclarer, c'est le temps de déclarer. Si c'est le temps de dormir, dors en paix. Dors en paix. Même les fenêtres et les portes ouvertes, dors en paix. Comme je suis en lui, il n'y a aucun voleur qui va passer sur ma porte. Comme je suis en lui, aucun mari ni femme de nuit ne va toquer à ma porte. On vous a enseigné de nom, je ne sais pas quel genre de nom. Oh, femme de nuit, oh, mari de nuit. C'est dans quelle référence, femme de nuit, mari de nuit? Quelle est référence? Vous avez déjà lu dans la Bible, mari de nuit, femme de nuit? Mais vous avez développé ces choses sur base de quoi? Oh, femme de nuit, mari de nuit. Oh, je rêve. Vous continuez à rêver. On ne rêve pas. Il faut connaître ce que dit la parole de Dieu. Répétez, en lui. Mais l'histoire-là de l'esprit des morts, c'est quel verset? Qui peut me donner le verset de l'esprit des morts?
Oh, l'esprit des morts. Quand je rêve des morts. S'il arrivait que tu continues à rêver des morts, cela justifie que tu n'as pas planté les Écritures dans ton esprit. Les Écritures sont restées au niveau de ta bouche, mais ne sont pas vraiment écrites dans ton esprit. Si les Écritures sont écrites sur les tables de ton esprit, quand tu vois une menace pendant la nuit, les Écritures vont sortir pour te défendre en tant que l'épée de l'esprit. Mais si ça ne sort pas, tu es en train même de fuir, tu as peur, cela prouve que dans ton esprit, tu n'as pas encore inscrit les Écritures. Soyez bénis. Répétez, en lui, j'ai l'assurance vie. Ceci est en train de t'être enseigné pour te prendre en charge. Par l'expression en lui, tu peux changer chaque situation avec détermination. Soyez bénis. Je venais te faire voir comment tu es en train en lui. C'était par la déclaration. Si c'est par la déclaration que tu es en train en lui, étant en lui, tout ce que tu peux posséder en lui, tu peux le posséder que par la déclaration. Merci Seigneur, comme je suis en toi, ceci doit m'arriver. Pourquoi je l'ai dit avec confession? Je dis, mais je suis en toi. Toi, tu as tout vaincu. Toi, tu as tout racheté. Toi, tu as toute puissance. Comme je suis en toi, je ne peux pas échouer non plus. Ma vie ne peut pas continuer à être la même étant donné que je suis en toi. Prenez-en conscience. Prends conscience que je suis en Christ. Comme c'est Christ qui a vaincu les ténèbres, il a vaincu les diables, il a vaincu Satan, étant en lui, rien ne peut me troubler. Que cela te donne une ferme assurance, une ferme confiance, étant en lui, je marche dans la victoire. Je n'ai pas de combat à livrer parce que lui a déjà remporté la victoire pour moi. Je marche dans la victoire des choses pour lesquelles le prix a été déjà payé. Soyez bénis. À tout ce que tu peux ressentir dans ton corps, l'unique expression en lui. Étant en lui, tu n'as pas le droit de rester ici. Pourquoi en lui? Il est celui qui a tout vaincu. Il y a celui qui a tout emporté. Il y a celui qui a dit que tout est accompli. Mais tu n'as pas maintenant ta raison d'être dans mon corps parce que je suis en lui. Il va te dire, mais depuis quand toi tu es en lui, tu ne sais pas ce que tu as fait hier. Réponds-lui que si je suis en lui, ce n'est pas parce que j'ai fourni un effort quelconque. Je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et ce n'est pas à toi de me condamner non plus. Comme je suis en lui, rien ne peut me condamner. Moi encore, toi, tu ne peux pas me condamner. Ce que je te donne est que sors de mon corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Simplement parce que je suis en qui? Ça, ça nous donne la paix de vivre la vie chrétienne avec assurance. Une vie chrétienne qui n'est pas agitée non plus. Qu'on ne te trompe pas avec des prophéties. Oh, allez voir tel. Il n'y a personne qui peut prophétiser pour toi comme le Saint-Esprit qui vit en toi. Soyez bénis. Je suis en lui, j'ai la victoire. Ah, toi, l'ennemi, tu m'as attaqué. Je suis en Christ. Étant en Christ, la Bible me dit, il n'y aura au milieu de toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. J'accomplirai le nombre de mes jours. Tout ceci a été dit même avant que je ne sois en lui. Maintenant, je suis en lui, rien ne peut me faire. Soyez bénis. Ne soyez pas en retard d'information non plus. Les choses ont été accomplies depuis longtemps. Bien-aimé, tu n'as aucune raison de demeurer avec une santé qui chancelle. Ta santé doit être stable. Pourquoi? Tu es en lui. Comprenez ceci. Christ Jésus, sa naissance, c'est le début de l'histoire, n'est-ce pas? Si on a commencé à compter les années. Maintenant, lui, il a vécu 33 années d'après les Écritures. Donc, ça veut dire que Jésus est mort à l'âge de 33 ans. D'accord? 3 jours, il est ressuscité. Il a déclaré que tout... Il y a un bien-aimé frère ou sœur qui a accepté Jésus-Christ hier. Il est devenu enfant de qui? Mais quand est-ce que ce frère a été déjà été en Christ? Vous ne comprenez pas. Quand est-ce que ce frère a été déjà en Christ?
Est-ce que vous comprenez quelque chose? 33 ans, il est mort, ressuscité, d'accord. Il a déclaré tout est accompli. Il a vaincu. Mais il y a un frère qui a accepté Jésus-Christ hier. Ce frère a été en Christ depuis quand? En Christ, c'est depuis sa résurrection d'entre les morts. Le frère était déjà en qui? Ce qui vient de se réaliser, c'est une réalisation pratique. Est-ce que vous comprenez? Depuis l'an 33, le jour de sa résurrection, moi, je marche dans la guérison divine. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que j'ai la santé aujourd'hui. Cette santé, je l'ai lorsque les gens ressuscitaient des morts. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en retard d'information. Tout est accompli là, depuis ce jour-là. Je dois marcher dans les tout est accompli de qui? De Jésus-Christ. Ce n'est pas aujourd'hui maintenant. Oh frère, j'ai reçu la victoire. Tu n'as pas reçu la victoire aujourd'hui. Tu avais reçu la victoire depuis sa résurrection d'entre les morts. Oh mon frère, j'ai trouvé ceci. Tu ne l'as pas trouvé aujourd'hui. Tu l'avais déjà trouvé. C'était déjà pour toi depuis ce temps-là. Tu ne peux pas continuer à souffrir pendant que le prix a été déjà payé. C'est pourquoi je dis, mais pourquoi tu continues à souffrir en vain pendant que le prix a été déjà payé par qui? Par Christ. Tu es en Jésus, bien tu es en dehors de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer en lui tout est accompli? En lui, ma victoire est certaine. En lui, ma vie est assurée. En lui, mon bonheur est assuré. En lui, ma victoire est assurée. Pourquoi toutes ces choses sont assurées? Simplement parce que je suis en lui. Le devoir que je te donne, va lire l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Colossiens, l'épître aux Philippiens. J'ai dit c'est partout dans la Bible, mais principalement les trois épîtres là. Cherche seulement l'expression en lui pour savoir qu'est-ce que tu as en Jésus-Christ. Si tu comprends ce que tu as en lui, bien-aimé, ta position doit changer. Tu vas dire à l'ennemi, pourquoi tu dois me maintenir dans cette situation? Et pourtant, moi, je suis des gens en lui. Ça, c'est pour des gens qui prétendent que Jésus va faire quelque chose dans ma vie. Mais tu es en retard. Jésus ne va pas faire quelque chose non plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà fait. Comme toi, tu es en lui, tu dois t'approprier tout ce qui est en Jésus-Christ. S'il a déclaré que je suis l'Éternel qui t'est guéri, je dois m'approprier, je ne dois pas chercher la guérison non plus, je dois m'approprier quoi? La guérison. Alors, comme je suis en lui, je ne vais pas chercher à prospérer non plus, je dois m'approprier quoi? La prospérité. Pour quelles raisons? Simplement, je suis en. Répétez, avec cette compréhension des choses, je puis changer ma situation à tout moment. Même maintenant. Tout dépend du fruit de ma bouche. Ce que ma bouche va déclarer, c'est ce qui détermine ce que je vais posséder. Tu as besoin d'imposition des mains? On doit chasser l'esprit des morts? On doit chasser les maris de nuit? Les femmes de nuit? Qu'est-ce qu'il faut? Répétez, en lui. J'ai l'autorité de faire partir ces choses. Au fait, c'est moi qui étais en retard d'information. Comme je viens de comprendre, je suis en lui. Les noms qui se peuvent nommer dans ce siècle présent, comme dans le siècle à venir, ne peuvent rien me faire. Cancer. Les gens qui dorment, qui se réveillent, oh, faites attention, troisième variant. Mais, même si le flot est à la hauteur de ce temple, en Jésus, je vais dire, silence, calme-toi. Je ne lutte pas, je ne vais pas combattre aux démons. J'ai beaucoup aimé hier la réunion des anciens étudiants. Ils ont abordé les choses. Au troisième vague, il y a un variant maintenant indien qui est arrivé ici. Le variant indien doit rester chez les Indiens qui prient les statues. Moi, je suis en lui.
En lui, il n'y a aucun variant qui peut me causer du tort. Qu'est-ce que vous croyez? Les maladies et les infirmités qu'il a emportées à la croix, il avait laissé les variants. Les prix ont été payés maintenant pour ces temps-là ou bien pour toute l'éternité. Il nous a sauvés. Il sait qu'il n'est pas encore retourné pour nous prendre. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il y aura des variants qui vont arriver? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait prévenu ou non? Si vous vous dites que mieux vaut prévenir que guérir, qu'en est-il de lui? Lui qui connaît du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons été immunisés depuis le jour où il a déclaré que tout est accompli. Les vaccins que nous avons reçus, c'est que les médecins vous trompent là, ce sont des choses. Ils utilisent des chimiques, des substances chimiques là pour détruire votre corps. Mais nous avons été vaccinés depuis. Bonne chance aux médecins. Faites le travail que vous faites maintenant à votre niveau, mais pas à notre niveau non plus. Même toi aussi, tu es en lui. Étant en lui, tu dépends de lui. Qu'on ne te trompe pas, il n'y a aucune vague qui va te troubler, ni aucun variant. Même si on dit que maintenant, ce qui est arrivé là, même ça se contamine que par le passage. Tu te croises avec quelqu'un, tu es contaminé. Nul et sans erreur. Rien ne peut, mais... Rien ne peut, mais... Rien ne peut, mais... Mettons-nous debout.